Alors, en cette période assez exceptionnelle, dans ma tête, c'est un petit peu le bordel. Hein. Un petit peu beaucoup, d'ailleurs. Du coup, des fois, je suis là, posé sur mon lit, et je me pose des questions. Alors, je me suis toujours demandé si dans un carrefour en forme de croix, à priorité à droite sur toutes les voies, je me suis toujours demandé ce que ça faisait si quatre voitures arrivaient pile en même temps. Ah, mais dans ce cas-là, t'as deux solutions. Un truc aussi très casse-couille dans la vie de tous les jours, c'est quand tu marches dans la rue comme ça, tu croises un passant qui est sur le même trottoir que toi et vous bougez en même temps. Ça, c'est un vrai plaisir. Hier, j'ai fini Assassination Classroom. D'ailleurs, j'ai le seum. Mais bon, ça, on va pas en parler. On va parler plutôt de coupe de cheveux dans les mangas. Prenons l'exemple de Nagisa. Bon, alors, dans l'anime, sa coupe, on peut dire qu'elle passe. Mais je me dis, quelqu'un dans la vraie vie avec cette coupe de cheveux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je suis désolé. Bonjour, je m'appelle Nagisa Chiyota. Je dois lire Eldorado en cours de français. Le monde est merveilleux, n'est-ce pas? À chaque fois que je regarde la télé et que c'est en direct, je prie, j'espère toujours que, à un moment, il y a quelqu'un qui se gourre et qui fasse de la merde. Bon, d'abord, t'as le truc classique de l'envoyé spécial qui a un gros décalage sa mère. Alors, je vous propose de retrouver notre envoyé spécial en direct. Bonjour Michel, comment va la situation de votre côté? Oui, alors effectivement, merci Frédéric. Michel, on passe à l'actualité suivante. Parce que souvent, quand je regarde des bêtisiers, je vois des trucs qu'on appelle les aléas du direct. Les gens ont fait de la merde en direct, c'est trop drôle. Mais moi, j'aimerais trop un jour voir ça en vrai, pas dans un bêtisier, dans une émission. Ah non, parce qu'il y a des trucs, ça peut être sacrément drôle. Oui, alors effectivement, on a des extraits de votre passage dans la vidéo de McFly et Carlito. Bah, ce que je vous propose, bah, c'est de les regarder. Ah, le présentateur, c'est vraiment un connard. Hein. Moi, je peux pas le blairer, je plains sa femme. Hein. Heureusement que je suis que le monteur de l'émission, hein, parce que je peux pas le saquer. Hein. Un truc très très chiant aussi dans la vie de tous les jours, c'est les gens qui portent les mêmes habits que toi. T'es là comme ça, tu te ramènes avec un pull. En plus, dans la journée, il y a quelqu'un qui t'a dit: oh, j'adore ton pull. Et là, t'arrives dans le bus et qu'est-ce que tu vois? Un mec avec le même pull que toi. Ouh, un vrai plaisir. Un truc que je me suis toujours demandé, mais ça vraiment toujours, comment les gens ont créé la religion? Alors là, je parle de toutes les religions, n'importe lesquelles, parce que pour moi, dans ma tête, il y a deux possibilités. Wow, 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 gros, y'a un mec qui me parle. Comment ça? C'est toi le chef? Ok, pas de problème, fais prévenir les autres. Oh, je pensais pas ça vous arriver dans le monde des esprits, ce truc-là, hein. Hey mec! Ouais quoi? Quand t'as combien, tu fais croire à tout le monde que t'as vu un mec qui t'a dit que c'était lui le chef et qui nous observe tous? Bon, vas-y, je suis joueur, hein. Quand t'as 5, 1, 2, 3, 2. Oh non! Oh non mec, je suis dégoûté! Oh mais non, mais je vais passer pour un con, personne va me croire! Oh là là, on va bien se marrer, hein. Ok, bon là par contre, c'est un gros coup de gueule. Je vais te parler de coronavirus, et plus particulièrement des gens qui vont faire leurs courses. Parce que oui, on va pas se mentir, y en a, c'est vraiment des gros fils de pute. Un truc qui, moi, m'a rendu fou, mais un truc de malade. Bon, déjà, le truc paranormal, c'est qu'il y a deux femmes qui se battent pour un papier de PQ. Du coup, au final, il y en a une des deux qui obtient le paquet. Ce qui m'a rendu fou, et vraiment fou, mais un truc de fou, mais fou, mais waouh. C'est que la dame qui a obtenu le paquet, elle avait un caddie rempli de paquets de PQ. Putain, il y avait au moins 12 paquets, mon pote. Et l'autre qui n'a du coup pas obtenu de papier toilette, elle lui demande d'en avoir juste un paquet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais il y en a, ils sont vraiment cons, putain. Mais à quoi ça sert? Oh putain, ça me rend fou, les gars. Ah, mais je suis quasiment sûr que dans 30 ans, il y en a, ils feront des films historiques, ils appelleront la guerre du PQ. Bon, sur ce, on va terminer la vidéo ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça c'est surtout très important. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne. Mettez un énorme pouce bleu, n'hésite pas à commenter la vidéo. J'ai eu quelques petits problèmes avec les commentaires, que j'étais considéré comme un contenu pour enfants et tout. Tout est rentré dans l'ordre, les commentaires sont revenus. Je ne suis plus un contenu pour enfants, c'est super, je vais pouvoir faire du porno demain matin. Prenez soin de votre famille, et surtout, restez chez vous. Papa l'Américain.